faute commise à l'extérieur de la surface de réparation pour être sanctionné par un pénalty. Voilà. Après la double peine, le dernier défenseur, on connaît aussi le règlement, mais la faute a lieu en dehors. Voilà. Donc après, on s'est retrouvé à 10 et évidemment, c'est devenu un peu plus compliqué. Donc, bonsoir, Elie. Si. Dans un match comme ça, dans un climat comme ça, c'est un choc, un classique. L'arbitre qui, sur une erreur d'arbitrage, il n'y a pas rouge, il n'y a pas pénalty forcément. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs à ce moment-là pour les remobiliser? Bon, à la mi-temps, on a vu que la générosité ne nous faisait pas défaut, que nos joueurs voulaient y croire encore. On a essayé d'y croire. Après, le deuxième but est venu, ça a été un peu plus compliqué, mais on ne peut pas imputer à nos joueurs cette générosité et ces intentions d'essayer de revenir. On a essayé de poser le jeu, il y a eu des séquences intéressantes en termes d'utilisation du ballon, mais voilà, c'est à partir de cette décision, c'était quand même une situation compliquée.